Salut les pilotes, c'est Talar, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, alors ce sera pas une vidéo de tuto, enfin si, un jour de tuto aussi, mais on va pas parler de vol, on va pas aller dans l'Arena Commander, on va parler aujourd'hui du leaderboard. On pourrait croire que ça va être une vidéo plus légère, mais pas du tout. Le leaderboard, c'est pas quelque chose de facile à comprendre, c'est assez mal fait. On va le dire clairement, c'est assez mal fait. Il y a des choses qui sont mal développées, qui communiquent avec le jeu, mais il y a de l'autre qui sont juste du développement web, des fonctions qu'il n'y a pas, qui fonctionnent pas, c'est un peu con quoi, parce que... Je pense que juste une personne, un web développeur, peut régler ça assez rapidement. Hein. Je suis un peu dans l'informatique, donc je connais. Mais non, ils le font pas. C'est comme ça depuis des années, mais soit. Le leaderboard, donc c'est un petit peu c'est le leaderboard de l'Arena Commander, du Battle Royale, qu'on va trouver sur le site des récits, dans Community leaderboard. Et on va trouver plusieurs leaderboards. On en a un pour Star Marine, on en a un pour l'Arena Commander. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est le Battle Royale, clairement. Donc vous allez cliquer dessus. On trouve aussi un leaderboard en jeu qui lui d'ailleurs est un peu plus juste, hein. Vous allez dans le menu de l'Arena Commander, vous trouverez un bouton leaderboard. Quelle est la différence entre celui en jeu et celui-ci? Mais il y a déjà une différence très importante, c'est que comme vous savez, dans l'Arena Commander on a deux maps, il y en a Broken Moon et Dying Star. Mais il faut savoir que sur le leaderboard ici, on vous met deux fois en fait. À chaque fois vous allez y être deux fois, vous voyez ici Alpha Zeus, il y est deux fois. Et en fait il y est une fois pour Dying Star et une fois pour Broken Moon. Voilà, c'est un peu con parce qu'au final le rank est ici, donc qui est votre position. Je vais vous expliquer après qu'il faut pas trop en tenir compte, hein. Restez concentrés jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce que vous voyez là, franchement, n'en tenez pas compte du tout. Je vous explique pourquoi après. Mais ça veut dire que quand même votre position, il faut déjà la diviser par deux parce que chaque joueur y est deux fois, d'accord. Tandis que si vous allez dans l'Arena Commander, dans le jeu, dans le leaderboard, là vous avez un leaderboard par map, donc c'est déjà un petit peu plus précis. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme info sur ce leaderboard? Alors déjà, si vous êtes connecté au site RSI, vous allez avoir votre nom qui va apparaître tout au-dessus pour vous donner... Ça ne veut pas dire que je suis premier, il y a l'autre là. Ce qu'on va trouver, c'est le rating. Et le rating, c'est là-dessus qu'est calculé votre position dans le leaderboard. Hein, on voit ici que si je descends du premier vers le dixième, etc., on voit que le rating descend. Le truc, c'est que on ne sait pas trop comment c'est calculé jusque-là. Je vais y revenir juste après, je vais expliquer le reste. On a le score par minute et le score général. Honnêtement, je sais pas trop à quoi ça sert. Par contre, on a le kill death et le playtime. Ça, c'est des données qui peuvent être pratiques. Donc ça, c'est le nombre de temps que vous avez joué sur ce patch. Ouais, j'ai joué 75 heures, enfin 75, c'est pas mal. Et le kill death, pour moi, c'est la seule donnée vraiment utile du leaderboard parce que c'est la seule sur laquelle vous pouvez vous fier. Qui vous donne votre ratio du nombre de fois que vous êtes mort par rapport au nombre de joueurs que vous avez tués. D'accord, vous voyez que je suis à un ratio de 1.17. Donc ça veut dire que je fais pratiquement un kill pour une mort. Sauf que il faut savoir que là, je suis dans les positions, je dois être dans les 300. Ce qui est complètement faux, parce que je devrais être beaucoup plus haut. Le truc, c'est que, et c'est là que c'est un petit peu difficile à expliquer, c'est que c'est calculé sur la moyenne de tout le patch en fait. Et il faut savoir que moi, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement sur la 3.17, ce qui veut dire que allez, les 50 premières heures qui sont là, j'étais très mauvais. Et le reste, je suis devenu quand même nettement meilleur, mais je n'arrive pas à remonter. Voilà, c'est impossible de remonter. En fait, là maintenant, je fais souvent des top 1, etc. parce que là, j'ai quand même bien progressé. Je suis encore loin des meilleurs, mais je veux dire, là, je suis quand même sur une pente ascendante. Je fais souvent des top 1 avec des 9, 8, 7 kills, mais mon kill death... ces trois dernières semaines est passé de 0.9 je pense à 1.17, donc vous voyez que c'est vraiment très très difficile de remonter, même en faisant des très gros scores, j'arriverai jamais à remonter dedans. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut pas trop se baser là-dessus. La seule chose vraiment intéressante dans leaderboard, c'est vos kill death, parce que ça vous pouvez voir vraiment si vous améliorez. Je vous invite à aller le voir de temps en temps et voir vraiment si vous êtes en train de monter votre niveau, parce que voilà, les points, etc., franchement, c'est vraiment... quelque chose de très approximatif, on va dire. Alors, je vais vous donner aussi quelques infos sur comment naviguer sur le leaderboard, parce que vous voyez qu'on a un fan player et filter organisation. Alors, c'est cool, on se dit, ouais, chouette, je vais pouvoir trouver où je suis exactement. Donc, je vais taper Atalar. Génial, il me le propose. Et là, oh, ben non, player not found. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne suis pas sur la première page. Alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre en affichage 100. Pardon, j'ai mis 25. Ça, on en aura déjà un petit peu plus. Et en fait, cet outil ne fonctionne que quand vous apparaissez sur la page, ce qui est complètement con. Donc ça veut dire que moi, je devrais mettre, je pense, sur la page 4, si je me rappelle bien, pour me trouver. Voilà. Et maintenant, là, je pense que je devrais être quelque part ici. Ouais, voilà, Talar, je suis 351, vous voyez. Et si je fais, si je tape maintenant mon pseudo ici, bah, il va me trouver.
Ah non, même pas, ça marche même plus. D'accord. Bah, de toute façon, vous faites un Ctrl F hein, dans un navigateur, vous tapez votre nom et il va vous trouver. D'accord. C'est voilà, c'est, je sais pas pourquoi ils l'ont à moitié codé vu qu'on peut trouver à Talar, mais il vous dit pas où on est. Enfin bref, c'est un peu con. Alors pour revenir sur cette position, mais je vous ai déjà expliqué, mais je suis pas là pour dire je suis le meilleur, etc. Là, je pense que vous avez compris, j'étais quelqu'un d'assez humble. Mais ça, c'est pas juste du tout. Je suis pas du tout 351, c'est une certitude. Déjà, premièrement, il faut retirer les deux maps, donc ça veut dire que déjà on peut diviser ça par deux. Donc ça veut dire que je serai déjà 175. Il y a le fait que c'est calculé sur la moyenne, donc forcément je vous ai dit au niveau du patch j'étais très mauvais, maintenant je deviens correct, donc j'arrive pas à remonter, c'est impossible, donc la 3.18 va être vraiment mon patch où je voudrais bien essayer de monter clairement dans le leaderboard, parce que le niveau que j'ai acquis comment dire, va s'appliquer directement dès l'entrée du patch, et je vais continuer à évoluer le long de ce patch, donc je pense que là je pourrais faire des scores bien meilleurs et remonter. Et alors il y a une autre donnée importante, alors là, on rentre dans des choses où il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais je ne vais pas m'attirer des ennuis qu'on a avec des joueurs américains, etc. Mais il faut savoir que vous avez peut-être déjà entendu parler d'un alt. C'est quoi un alt? En fait, c'est un alt bon, alternatif, hein, ça vient du mot alt alternatif. Ce sont des joueurs qui vont créer un autre compte pour jouer à Star Citizen. Alors, les raisons vers ça, il y en a des bonnes et des mauvaises. Les bonnes raisons, ce sont parfois des gros joueurs qui sont très connus ou des gros streamers, genre Avenger One, que vous connaissez peut-être, qui vont forcément se faire farmer parce que leurs noms sont connus. Il y a des joueurs qui veulent faire leurs preuves ou des joueurs qui veulent les faire chier, etc. Donc, pour venir jouer tranquille, ils vont jouer sous un alt. Et ça, je trouve ça tout à fait normal. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y en a d'autres qui vont faire ça parce qu'ils ont des techniques de cheat et qu'on veut pas qu'on les reconnaisse. Donc du coup, ils vont venir avec un alt, comme ça personne ne sait qui ils sont et ils se font plaisir. Ouais, voilà, il y a plein de raisons de faire des alts, des bonnes et des mauvaises. Ce qui veut dire que dans cette position 351 que j'ai, ça veut dire que je pense qu'il y a au moins la moitié qui sont des alts. Peut-être pas la moitié, je dirais que peut-être dans les 50 premiers, il y a beaucoup d'alts. Mais soit, ça, j'ai pas les données, personne ne les a, mais c'est hypothétique, hein, mais on imagine que c'est le cas. Donc ça veut dire qu'à mon avis, déjà on divise par deux parce que c'est mon score des deux maps, et je crois qu'on peut encore rediviser une fois par deux en retirant tous les alts. Donc ça vous donne une idée de la position. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas regarder ce système parce que c'est complètement débile. Vous retirez le double map, les alts, ça a plus vraiment de sens en fait. Hein, voilà. Ok, donc j'espère que ça c'était clair pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il faut pas jouer pour monter dans le leaderboard. Ça doit être une donnée pratique et technique pour votre niveau dogfight. Surtout ça d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment la donnée la plus importante qui vous montre si vous progressez ou pas. D'accord. Encore une fois, cette donnée est calculée sur la moyenne du patch. Hein, donc si je regarde ces 3-4 derniers jours, j'ai fait beaucoup de BR ou j'ai fait souvent des top 1. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons joueurs, hein, soyons clairs, mais soit. Ça veut dire que si j'étais en début de patch et que j'avais pas joué beaucoup, j'aurais dû monter, je serais peut-être à 2 ou 3 réellement ici, alors que là, je suis passé de 0,99 à 1,17, donc vous voyez que c'est hyper compliqué à faire monter avec le temps. C'est pour ça que j'attends la 3.18 pour recommencer et essayer de monter un peu dans ce leaderboard, bien que c'est pas du tout mon but principal. Soyons clairs, moi je suis là pour le combat, pour les beaux fights. Je m'en fous d'être premier au kiki, mais ça fait quand même plaisir parfois de voir que on va un petit peu coller aux meilleurs joueurs, d'accord? Voilà, allez, j'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, je vais vous proposer un petit jeu d'entraînement qu'on fait pour le moment avec les gens autour de moi, on l'appelait comment? J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Bref, c'est un petit jeu qu'on fait en Arena Commander. On a tourné quelques séquences vidéo, vous allez voir, c'est sympa. On s'est bien amusé, je pense que si vous le faites aussi, vous allez vous amuser. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à tous ceux qui arrivent sur la chaîne et tous ceux qui regardent les vidéos, parce que je vois que les vues montent pas mal ces temps-ci. Une vidéo qui a fait 1000 vues, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent un peu au dogfight et à ce que je fais. Voilà, merci à tous. Et puis à bientôt, ciao.